peuvent être fiers de ce qu'elles ont fait. Aujourd'hui, il n'y avait pas de la pression, on peut dire que les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer devant des milliers de supporters. Alors, je sais pas, en quart de finale, il y en avait tout autant, en demi, il y en avait tout autant, donc la pression... J'ai pas senti une équipe qui était sous pression, au contraire, j'ai senti une équipe qui avait envie de se faire plaisir, de jouer le match, de gagner. Après, on a joué avec nos armes aussi, on était un peu... Je pense que le match de Nigeria nous a fait beaucoup de mal physiquement. Mais voilà, on l'a joué jusqu'au bout, on a été jusqu'au bout de nos forces et ça, c'est une bonne chose. Recevoir un appel téléphonique. En fait, il n'y a que vous qui faites les... Vous posez des questions, en fait. Vous avez reçu un appel de la part de moi. J'allais dire. La fierté aussi, il est fier de ses joueuses, il est fier de son pays, il est fier de ce que les filles ont fait. Enfin voilà quoi, aujourd'hui même si on perd cette finale, c'est quand même une victoire. C'est quand même une victoire du foot féminin marocain et ça c'est quelque chose d'inestimable. Merci. Merci coach.